Initiating system 1. System 1 loaded. Hey-ho-ayo, c'est Gunshow et je suis de retour sur Fallout 4 pour mon plaisir et votre plaisir. Donc c'est parti, donc on va faire la quête. Bon, là j'ai laissé mon armure secondaire là que j'ai récupéré dans cette chose là-bas. Donc voilà, donc là on va sortir de cette chose qui servait de remise. Apparemment qui devait être avec un stock militaire, mais bon, j'ai pas trouvé. Bref. What? D'où il sort lui? Oh my god. Oh, je suis allé dans. Ok. Mais normalement, si j'ai pas en surchauffe et je peux pas me. Voilà ce qui est bon. Alors combien il me reste? Ouais, encore pas mal. Donc voici mon armure. Déjà, voici mon armure. Ok. Bon, on va dire que je vais faire celle des espoirs. Voilà. Ouais, c'est parti. Et franchement, c'est stylé quand même. Enfin, maintenant je sais comment faire les trucs que je me demandais comment on faisait. Donc voilà. Maintenant on va tuer ces saloperies de machin là-bas. On va faire un petit sauvegarde. Non, pas ça. Pas chargé. Voilà. On va sauvegarder. Quand j'ai une dégaine avec ça, c'est. Ok. Le docteur Weathers peut soigner tous les bobos, maladies et blessures diverses. Ah bon? Mais pas le comportement. Ah merde. Ça, c'est dommage. Docteur. Vous êtes vraiment médecin? Si je suis médecin,
Vous voulez quoi? Que je vous montre mes diplômes? Je suis une véritable institution dans le coin. Alors vous avez besoin d'aide, oui ou non? En fait, j'ai besoin de fournitures médicales pour la route. J'ai tout ce qu'il faut tant que vous avez des capsules. Ok. Bon, comme j'ai vraiment, mais vraiment besoin de soins, est-ce que j'ai de l'argent? Ouais, j'ai de l'argent en corps de guerre. Hop. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant. Donc ça, je joue le brade, vous voyez. trait militaire. Tenez, je vous donne un trait militaire. Hop, un autre trait militaire. Un casque de pilote. Oui, ils sont ressemblés. Comme ça. Mon casque marron. Ouais, je préfère mon casque marron. Donc ça, hop, vous avez gagné un niveau. Ok, il faudra, je pense, ça me le faire. Une forme de la confrérie. Ouais, ça je les garde. Hein. Ça, c'est mes habits. Ok, break mes modes, munitions. Est-ce que j'ai des armes que je me sers pas, de toute façon que je vais aider. L'impulsion, victoire. Ça franchement. Perso, franchement. On ne verrait pas. On va voir, ça je le garde par contre. Tac, alors, mon cher docteur, qu'est-ce que tu me vends? L'eau purifiée. Ouais, ça je prends. Faut que je descends. Alors. On va dire ça. Voilà. Trop cher en que je... Donc voilà, alors la quête elle est là apparemment. Je peux fouiller, ok. Ok, donc on va parler à ces gens là. Salut. Salut toi. Vous faites partie des miliciens, c'est ça? Ouais, je suis le général. Bien sûr. Dites-moi ce qui se passe. Un groupe de ghouls sauvages s'est installé pas loin d'ici. Et certaines ont commencé à rôder dans les parages. Ouais. Si ça continue, elles risquent de finir par envahir notre colonie. Il faut que quelqu'un nous en débarrasse. Ok. Non. Ok. Déjà fait ou c'est fait? Déjà fait, on va dire. J'ai déjà fait le ménage là-bas. C'est vrai? Ah, vous n'imaginez pas comme ça nous soulage. Ce n'est pas une vie d'être constamment dans la peur. Ouais. Je vous remercie sincèrement, vous et les miliciens. Vous... Ok. Ok. Ben, je pensais que ça allait être un peu plus long, mais en fait, j'ai déjà fait. En fait, c'était une bonne idée de rentrer dans cette chose là-bas qui est pas loin là. Franchement, c'est. Voilà quoi, c'est fantastique. On va prendre ça, de toute façon, après. C'est moi, hop, courge, circuit imprimé, câblage, canette, béton, merde. Aluminium, ok. Est-ce que je peux faire ça quand je suis comme ça? Ok, je peux. Oui, Canigou, je sais que t'es là. Terre, ça. Bric à bric, alors acier. Voilà. Bon, apparemment ça c'est chez moi maintenant. Tout va bien. Bon, ça par contre, je vais le ramener à la base. Vous le gardez sur moi. Je vais fouiller un peu le coin. Je pense que je vais retaper le sens inverse pour aller faire le début de ce truc là-bas.
j'ai remarqué qu'il y avait un truc que j'aimerais bien visiter là-bas. Où il y avait les ghouls là, avec machin là. Dans le truc, épisode. Ok. C'est qui ces mecs là? Est-ce qu'il y a mon Dotu qui me suit? Non, je crois qu'il est là-bas. Je sais pas qui c'est là, mais on va voir, on va se lancer 3-2. Ok, enchanté. Moi c'est Gencho. Je vous mets à poil, je vous tue. Mais apparemment ils avaient tué un ok un petit ralentissement ils avaient tué en fait un pauvre coursier je crois. Je sais pas où s'en mène là ici. Vraiment, je crois que c'est la grande île principale. C'est quoi ce machin là? Tu vas me trouver toi. Proper junkie ouais. Ouais le junkie je vais en faire mon déjeuner moi. Quelqu'un et ça je veux du swing. Putain, j'ai du chien là. J'ai du chien mais il faut que je le mange. Voilà, j'avais une grosse faim saoulée. Hop, racontez n'importe quoi. Non. Hey, alors on joue la fille de l'air. Il y avait bien caca. C'était moi. Mais je veux quand même avancer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Ok, c'est des robots, ok, je me disais de loin qu'est-ce que c'est ce machin là-bas au front, hein, qui ressemble à que dalle. Un bateau qui a... je sais pas comment, ça, comment il est arrivé là en plus. J'ai pas envie de faire le tour, hein. Ok, boum. Ah ouais, j'avoue, bah c'est plein de choses. En prenant... oui, moi, est-ce que j'ai un truc... ça, je pense, pour me soigner... Non, ça, c'est pour autre chose. Non, c'est bon, c'est au début, ça... mais si j'en ai ça... on prend ça... est-ce que j'ai une... Non, je crois que j'ai ramassé de l'alcool. Voilà, j'ai mon alcool. Non, je peux bouger. Je sais pas si c'est une bonne idée là. USS. USS. Ok, d'accord. Je verrai plus tard ça. What, c'est quoi, c'est lagouné là? Enfin, c'est ragouné, on va plutôt. C'est qui eux? Vous! Vous êtes sur notre territoire, cassez-vous! On n'a plus besoin de mercenaires, merci! Wow! Bonjour! J'ai pas de temps à perdre avec des tâches dans votre genre. Ouais. Ouais. Si vous voulez quelque chose, allez voir Mandy. Ok. Salut. Vous êtes sur notre territoire. Cassez-vous. Ah putain, pas que mode. Bon, cher Mandy, on va te laisser tranquille hein, avec tes faire valoir là. On va pas le dire, mais bref. Quoi dire, va te faire enculer. Voilà. Vu l'accueil, hein. Ah, mais what, pourquoi ça fait ça? Soit il y a trop de choses affichées en même temps. SF et ça. Ok. C'est des méchants ou gentils, ça? Pour moi, elle a un fusil à pompe. Oula! Vous êtes avec une caravane ou avec les pillards? Est-ce qu'il y a des pillards dans le coin? Est-ce que... non? Pardon? Je vous ai demandé si vous étiez avec une caravane ou avec les pillards. Alors? Je ne suis avec personne! Vous êtes à votre compte, hein? D'accord. Venez. Mais défense de sortir une arme à feu. Le marché est ouvert. Si vous avez envie de faire du troc, n'hésitez pas. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que je peux... je peux juste fouiller. Okay. Bonjour. Salut, je m'appelle Meg. Vous venez d'arriver à Bunker Hill? Pour 10 capsules, je vous fais faire le tour de la ville. Je la connais comme ma poche. D'accord. Fais-moi visiter. On paie d'abord. Merci. Le marché est à l'arrière, le bar est dans le coin et les toilettes c'est de l'autre côté du mur. Salut. Ok. J'adore. Hey. Vous là, il faut qu'on parle. Ah bon? Je vous connais? Je vous connais? Non. Mais moi j'ai entendu parler de vous. Ah bon? J'ai toujours besoin de gens qui ne reculent pas face au danger. Ok. Tant que c'est bien payé... pas de problème. Vous toucherez la prime de base, comme tout le monde. Si vous êtes aussi efficace que vous le prétendez, on pourra peut-être parler d'une augmentation. Au fait, je m'appelle Edward Egan. Vous aurez principalement affaire à moi. Okay. Mais mon patron veut vous parler. Il s'appelle Jack Cabot. Okay. C'est quelqu'un de très prudent.
Il tient toujours à rencontrer personnellement les nouveaux que j'engage. Venez à Cabot House, à Beacon Hill, et demandez Jack. Je vais le prévenir de votre arrivée imminente. Ok. Pardon. Allez voir Jack d'abord. Le marché, c'est le bâtiment blanc avec toutes les colonnes. Il y a toujours quelqu'un qui fait du commerce. Ok. Ah, c'est pas le... Ok. Blanche. Je crois que c'est là. Ah, c'est l'intérieur. Ouais. Ah ouais, c'est Lucas. Salut, Lucas. Je vends les meilleures armures de la région. Oui, d'accord, oui. Voyons ça. Ce qui compte dans les armures, c'est la... Ouais, oui. Je viens de croire. Mais t'as que 150... Comme moi. Fusil d'assaut... Ça en touche pas, touche pas. Tac, on touche pas. Américain. Des trucs comme ça, compact, je crois que je vais la vendre. Mais les trucs avec des tactiques ou autre, je crois que je devrais les osser. Voilà, ça, je crois que je vais en cool. Personne, je préfère le temps. Je sais même pas si je pourrais me rendre trop d'argent. La gueule qui faisait mourir. Et toi là, monsieur, vous vendez un truc? Salut. Moi, c'est Stockton. Vous avez bien dû entendre parler du vieux Stockton, non? Non, je ne sais pas qui êtes-vous. Monsieur Stockton? Je suis propriétaire de 3 caravanes qui sillonnent le Commonwealth. Ok. Monsieur Stockton? Vous avez déjà acheté quelque chose à côté? Avec le garde... putain, avec le garde... Y'a personne pour vendre, là? Sérieux? Salut, Lucas. Le meilleur moyen de dépenser vos capsules, c'est de... D'accord, voyons ça. Ne faites pas des économies. Parce qu'il ne reste plus que 15. Ce sont les armes, je garde ce que j'ai sur moi. J'aimerais quand même écouler... Scribe, ok. Andana.
Ok. Moins 75. En cas de blessure, Kay pourra vous soigner. Y a pas mieux comme Toubib dans le coin. Ok. Vous avez un peu trop de barda ? Je peux vous acheter ce qui ne vous sert pas. Ah ! Et s'il vous faut d'autres choses, je peux vous les vendre. Ok. C'est votre boutique ? Tout juste. Les caravanes viennent, j'achète ce qu'elles ne veulent plus, je retape le tout et je revends ça à la caravane suivante. Bah, je peux bien vendre à quelqu'un comme vous, y a pas de raison. Les capsules, c'est des capsules. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de Bunker Hill ? C'est pas mal. J'ai grandi au milieu des caravanes, alors je me sens chez moi, ici. J'aime pas qu'on doive graisser la patte des pillards pour qu'ils nous protègent. Mais c'est le prix à payer quand on veut faire affaire au milieu de nulle part. Puisqu'on en parle, j'ai des tas de trucs utiles qui auraient bien besoin de trouver preneur. Regardez comme ils se sentent seuls. Vous payez les pillards pour qu'ils vous laissent tranquille ? Eh oui, je suis surprise que Kessler ait réussi ce coup-là. Mais elle les a convaincus que Bunker Hill vaudrait plus pour eux s'ils nous laissaient la vie sauve au lieu de nous massacrer. Ça m'énerve qu'on essaie pas de leur résister, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On est des caravaniers, pas des soldats. Vous avez reçu des nouveautés ? Toujours à peu près la même chose. Voyez-vous-même. Vous avez du travail qui paye ? Ouais, j'ai quelque chose. Mais ce sera pas facile. Les gars des caravanes adorent raconter des histoires plus improbables les unes que les autres. Mais il y en a une que j'entends de plus en plus souvent. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du vrai dedans. Apparemment, la route du Nord traverse un ancien terrain d'entraînement militaire occupé par une horde de ghouls sauvages. Et ça, c'est mauvais pour mes affaires. Si vous pouviez vous en charger, je devrais être en mesure de vous donner quelques capsules. De combien de ghouls on parle, au juste ? Qui peut savoir ? Leur nombre augmente avec le nombre de verres bus par les gars des caravanes à l'étape. Mais quel que soit leur nombre, à cause d'elles, il y a de moins en moins de caravanes et de clients. Hors de question que je le fasse pour une aumône. Tout le monde vient à Bunker Hill en pensant pouvoir m'escroquer. Moi, je dis que... S'il s'agit du terrain d'entraînement de la garde nationale, j'y ai déjà fait le ménage. Ah ben ça... Tenez, c'est pour vous. Oh, ce serait sans doute une bonne idée d'aller voir Kessler. Elle cherche quelqu'un comme vous. Hey. Salut. Entrez, j'ai des tas de trucs qui viennent d'un peu partout. Voyons ce que vous avez là. J'ai tout ce qu'il faut. Tant que vous avez des capsules. Ok. Bon. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ma carabine combat. Tac, tac, tac. Bon, ça, je garde. Alors, mais... Alors, uniforme. Tiens, je la garde pour mon chien-chien. Plastron, ça, je vais le garder. Forme de confrérie. Vent, je vends. Plastron métal. Voilà. Je peux faire ça. Ça. Tac, tac. Donc ça, ça, je garde. Alors, compagnon des terres désolées. Augmente 50% des dégâts suivants, ok. Pistolet plasma. Tenue. Ok. C'est combien ? Mec, c'est. Ce qui serait cool, c'est qu'il y a du scotch. Scotch. Ah, du scotch. Ah, je prends. Du scotch.
Deb m'a dit des trucs flatteurs sur vous. Il paraît que vous êtes du genre efficace. Ouais, j'ai un boulot délicat pour lequel il me faudrait quelqu'un de pas manchot avec autre chose qu'un pois chiche à la place du cerveau. Vous pensez faire l'affaire? Oui, largement. Alors, en quoi consiste le boulot? Notre ville tourne parce que tout le monde sait que les pillards ne sont pas un problème. On paie les gangs, et en échange, ils laissent nos caravanes tranquilles. Sauf que l'armée de Zeller est de plus en plus cupide. Ces salopards veulent toujours plus de capsules. Et ils continuent de nous attaquer, même quand on les paie. Mais j'ai découvert qu'ils se planquaient dans une ancienne école. Le boulot est simple. Débarrassez-nous d'eux. Vous savez autre chose sur l'armée de Zeller? J'ai dû faire appel à pas mal de gens qui me devaient quelque chose, rien que pour découvrir leur repère, l'école préparatoire de Boston Est. Le juge Zeller dirige une bande assez spéciale. Ils sont sortis de nulle part, et ils ont eu vite fait de se faire un nom. Je ne sais pas ce qui vous attend là-bas. Ok, bon. C'est comme si c'était fait. Faites attention quand même, ces types sont dangereux. Ordèche, une armure assistée, bordel. Si jamais des caravaniers perdus pouvaient revenir, ce serait fantastique pour le commerce. Mais surtout, vous travaillez pour votre propre compte. Vous n'avez jamais entendu parler de nous à Bunker Hill, compris? Ok. Salut. Salut. Là, j'ai vu ça, tac, 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 tac. Avec tout ce merdier, j'ai presque envie de rejoindre le réseau du rail. Vous pourriez pas essayer de mettre un peu de plomb dans la tête de mon crétin de fils? Ça coquiner avec le réseau du rail, c'est aller au-devant des ennuis. Le réseau du rail? Ce sont des défenseurs de la liberté. Ils sont prêts à risquer leur vie pour les synthétiques. Oula. Ça veut dire qu'ils affrontent l'Institut. C'est même les seuls à le faire. Et alors? Tu trouves que c'est noble ou je ne sais quelle connerie? Ça fait juste deux des crétins. Je refuse que mon fils foute sa vie en l'air en allant s'acoquiner avec ces dingues. Et c'est quoi les synthétiques? Des gens synthétiques fabriqués par l'Institut. Ils ont l'air tellement humains qu'on peut pas faire la différence entre eux et nous. Ce sont des monstres. C'est tout ce qu'il y a à en dire. Qu'est-ce que t'en sais? T'en as déjà rencontré un? Si on peut pas savoir qui sont les synthétiques et qui sont les humains, ils doivent pas être si terribles. C'est toujours bien d'aider les gens. Aider les gens, ça ne me pose aucun problème. Les synthétiques, par contre... Tout ce que je fais, c'est aider des marchands crasseux à devenir aveugles en leur servant ce torboyau infâme. Au moins, le réseau du rail se bat contre l'Institut. Et pourquoi ce serait pas une bonne idée de sauver les synthétiques? Et t'as l'intention de rejoindre la société de préservation des écorcheurs aussi, tant que tu y es? Écorcheurs? Les synthétiques sont des armes fabriquées par l'Institut. Qu'est-ce que vous en savez? Tu vois, fiston, arrête un peu ces conneries. On a des clients. On va éviter de voler les trucs, hein. ok, bon. Ok, bon, l'autre était foutu. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette petite balade. Les gens heureux sur cette jolie jolie petite ville avec des gens bizarres, avec une statue, on dirait entre guillemets George Washington, on dirait. Je pense que c'est lui, enfin je sais pas. Donc ça c'est la tour. Voilà. Bon, mais je vous dis à plus tard pour une autre vidéo en ma compagnie sur Fallout 4. C'était un honneur. Bye bye.